L'auteur dit ensuite, pour le jeûne repris après avoir interrompu la successivité de ses jours, ou le jeûne d'un jour spécifique, il est indispensable d'en mettre l'intention chaque nuit. Cette phrase-là, elle pourrait laisser penser à deux choses distinctes. La personne reprend un jeûne obligatoire après avoir interrompu la successivité de ses jours. Soit elle reprend ce jeûne-là dans une période où il lui est toujours obligatoire de relier ses jours entre eux, ça c'est un premier cas, ou soit elle reprend ce jeûne dans une situation où il ne lui est pas obligatoire de relier tous ses jours entre eux. D'accord ? Vous voyez bien les deux situations, ce sont deux choses différentes. Cette phrase-là, ici, elle n'est pas explicite quant à qu'est-ce qui est voulu des deux cas ici. Ce qui est voulu par cette phrase-là, c'est les jours de jeûne qui ne sont pas obligatoirement reliés. C'est les jours qu'il n'est pas obligatoire de relier. L'auteur dit, pour le jeûne repris, après avoir interrompu la successivité de ses jours, ou le jeûne d'un jour spécifique, il est indispensable d'en mettre l'intention chaque nuit. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple qui peut s'appliquer à cette phrase-là? Le rattrapage d'un mois de Ramadan, après Ramadan, évidemment. Eh bien, ceci s'applique ici à la phrase-là. Chaque nuit, la personne doit mettre l'intention de jeûner ce jour-là, le jour suivant. Et non pas, comme nous l'avions dit, si c'est un jeûne dont il est obligatoire de relier les jours. Et il dit aussi, ou d'un jour spécifique. Donc, si ce n'est même pas une successivité, mais quelqu'un, il met l'intention juste de jeûner un jour. Par exemple, un jour sur deux, lui, il a l'habitude. Eh bien, il ne lui est pas suffisant de mettre l'intention de jeûner tout le mois suivant, un jour sur deux, une seule fois, comme ça, juste une intention. Il faut qu'il mette l'intention pour chaque jour de jeûne ici, parce que ce sont des jours spécifiques. Donc c'est clair, ici on a parlé de certaines masailles qui traitent de l'intention.